Mais également, ce gourmand, il en a rajouté à l'intérieur du chocolat. Le beurre vient de France et même le chocolat vient de France. Le premier que j'ai fait, je suis vraiment un super boulanger. Zdravete, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au 4 boulevard Vitocha devant la bang, boulangerie française. Ça fait quand même plaisir quand on est français d'avoir un lieu comme ça. C'est la première qui ouvre en Bulgarie. Allons voir tout de suite les locaux. Alors ici, on est au plein centre-ville de Sofia, sur l'allée centrale de la capitale. Et vous voyez, on retrouve tous les grands classiques français. On a bien sûr les baguettes, les croissants, les brioches, les tartelettes, les sandwichs, les pains au chocolat. Et le propriétaire nous a préparé un magnifique panier créé par le boulanger Vincent, qu'on va voir tout à l'heure. C'est parti, allons déguster ça. Ta ta ta, mais regardez-moi cette beauté. On va commencer par la baguette, grand classique. C'est une baguette aux graines. C'est bien levé, avec un peu de beurre. Prenez ça le matin, là. Franchement, c'est exactement pareil que celle qu'on a en France. C'est littéralement la même en plein cœur de Sofia. Maintenant, on va passer au deuxième classique qui est le croissant. Alors, les croissants bulgares existent, mais là, il s'agit bien sûr d'un croissant français. On va tester ça tout de suite. Ouais, il est super. C'est les mêmes que ceux qu'on a en France, parce que déjà, on a le savoir-faire français, un boulanger français et un propriétaire français. On a aussi les mêmes ingrédients que ceux qu'on a en France. On va en parler tout à l'heure avec Vincent, le boulanger. Et maintenant, on va passer à un autre classique incontournable, le même pain au chocolat de Vincent. Allons-y. Ouais. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes ingrédients. La farine vient de France. Le boulanger vient de France, le beurre vient de France, et même le chocolat vient de France. Ils le font venir directement du pays grâce à leur fournisseur. Ici, la traduction bulgare, c'est chocolate croissant. En fait, on dit croissant au chocolat. Et pour le croissant, on dit croissant. Et donc, en anglais, chocolate croissant. En bulgare, ça c'est chocolavdo croissant, qu'on traduirait par croissant au chocolat. Donc, il n'y a pas de chocolatine ici. Ça me rappelle les pains au chocolat de la rue Marioge. Dans les arceaux à Montpellier, tip top. Et maintenant, on va passer à la brioche au chocolat. C'est parti. Alors, d'habitude en France, pour ces brioches, elles n'ont pas de chocolat. Mais pour s'adapter à la clientèle bulgare, qui, comme d'hab, aime beaucoup le chocolat, Vincent, le boulanger, a décidé de rajouter un petit coulis de chocolat juste au-dessus, regardez, qui rajoute la petite touche bulgarisante. Vincent a gagné 10 points de bulgarisation grâce à ça. Et également, ce gourmand, il en a rajouté à l'intérieur du chocolat. Je garde le meilleur pour la fin, mais avant ça, on va manger la madeleine. La madeleine, c'est vraiment l'article d'attraction de la boulangerie parce que les Bulgares connaissent pas ça. Et donc, c'est le produit le moins cher. Et souvent, ils mettent ça en upsell, en plus d'une autre gourmandise qui va être achetée là-bas. Donc voilà, c'est le petit... La petite canne à pêche pour les Bulgares. Et on va passer au meilleur pour la fin, mon préféré, la tartelette, préparée par le boulanger, mais quand il y aura le pâtissier, il y aura tous les grands classiques de pâtisserie. Les fruits viennent du marché directement, cherchés par le propriétaire. On va tester ça tout de suite. Et la tartelette à la fraise, c'est le produit préféré des Bulgares. Pour eux, c'est vraiment hors de ce monde en termes de qualité, c'est ce qu'ils disent à la vendeuse, à la servitor, et c'est pour le coup vraiment ce qu'ils préfèrent. Ça tombe bien, ceux-ci ont préféré. Et nous voici maintenant dans le fournil de la boulangerie, le lieu secret de fabrication qui se trouve à Losdenet, et nous allons retrouver Vincent, le boulanger français. Zdrasti Vincent, ça va? Et donc c'est toi le boulanger français? Oui, tout à fait. Je suis arrivé il y a quoi? Il y a 3 semaines. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est parfait. J'aime la Bulgarie. Et c'est ici donc, que j'officie. Je fais du pain, des croissants et également des pâtisseries. Alors ici, vous êtes dans l'atelier pain. On a plusieurs machines. Donc ici, on a des gros pétrins qui servent à pétrir la pâte. Ici, ce sont des plans de travail sur lesquels je façonne le pain à la main tous les matins. Et si vous voulez bien me suivre, par ici, on a l'atelier pâtisserie et viennoiserie.
Donc c'est l'endroit où je fais mes croissants, mes pains au chocolat et les tartelettes. C'est ici le lieu de production et tout ce matériel, il est français. Tout est français, les produits sont français, le matériel est français, je suis français, donc c'est français de A à Z. Du coup, tu as eu un peu d'expérience ailleurs, de boulangerie à l'étranger ? Oui, c'est ça. Donc j'ai travaillé en France un petit temps, ensuite j'ai travaillé aux Caraïbes. Il faisait très chaud aux Caraïbes, donc après je suis allé au Canada pour me rafraîchir. Il faisait un peu froid et me voilà ici. Donc c'est le juste milieu, on va dire. C'est ça, c'est le point d'équilibre que tu as trouvé enfin. Bon, et ben c'est nickel. On va pouvoir peut-être commencer à découvrir quelques ingrédients, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est le beurre que l'on utilise pour faire la viennoiserie. Et d'ailleurs, en parlant de viennoiserie, les gars, vous allez m'aider car je vous ai préparé des petits croissants. Et je vais vous montrer comment on fait. Et après, le but du jeu, c'est que vous le fassiez et vous passez demain à la boutique pour manger vos croissants. Je te montre comment on fait. Là, tu as une petite entaille et tu vas rouler hop, vers l'extérieur. Ah, comme ça. Ah, et ça fait la forme en fait. Et voilà. C'est très bien. Ah. Parfait, bah écoute, je vais commencer à travailler ici. Bon, et bah en tout cas, merci encore. Heureusement que t'es là, franchement, pour vous produire ça. Et voilà, on est le lendemain à la boulangerie avec les croissants que j'ai fait hier. On va prendre le premier que j'ai fait. C'est parti. Je suis vraiment un super boulanger. C'est grâce à Vincent, meilleur boulanger de Sofia. Il les a mis de côté, spécialement. Et c'est celui-là. C'est le premier que j'ai fait. Je mange un truc qui a vraiment un goût français. Mais en plein milieu de la Bulgarie. Et ça, c'est étonnant. Ça fait un an que je suis là. Ça n'est encore jamais arrivé. Et ça fait une sorte de portail spatio-temporel, vous voyez. Avec un goût français en plein centre de Sofia. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre un peu. Fais un bon petit déjeuner. Je crois que je devrais faire plus souvent des vidéos boulangerie. Et aussi une chose, d'un boulanger française, ça parle français. Donc si vous voulez croiser des Français, c'est ici que ça se passe. Mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez les autres vidéos de la playlist. Il y a plein de vidéos sur la Bulgarie qui ont déjà été postées et d'autres seront postées. Si vous voulez venir visiter ou vous installer en Bulgarie, envoyez-moi un email à arthurivan@commercial.frbulgarie.com. Ciao, ciao.